Il y a quelques jours, on apprenait le décès de Sylvie Joly à l'âge de 80 ans. Son époux a expliqué qu'elle était décédée à la suite d'un arrêt cardiaque. Ce matin, ses obsèques se sont déroulées en l'église Saint-Sulpice à Paris, devant de nombreuses personnes. Comme rapporté par Jean-François Guyot, AFP, Sylvie Joly a eu le droit à un bel hommage de la part du père Deguin. J'ai appris avec Sylvie Joly qu'il fallait des talons Richelieu pour faire le pèlerinage de Chartres, a-t-il déclaré. Gad Elmaleh les larmes aux yeux, les personnalités sont nombreuses à avoir fait le déplacement. Jean-Paul Gaultier, Alex Lutz, Eva Joly, Gad Elmaleh très ému, Pierre Palmade, Dany Boon et sa femme, Muriel Robin, Gérald Dahan ou encore Chantal Leitzou étaient présents aux côtés de la fille de l'humoriste, Mathilde Vitry. Pour rappel, à l'annonce de sa disparition, de nombreux hommages étaient parus sur le net. Chantal Leitzou clashait au micro de RTL, elle a donné le ton pour les femmes comiques après Zouga. Adieu ma jolie. Quest ce que tu m'as fait rire. Tu m'as aussi beaucoup appris. Hashtag RIP Sylvie Joly. Hashtag tristesse. Hashtag madame, a écrit Gad Elmaleh sur son compte Twitter, alors que de son côté, Anne Roumanoff a salué celle qui a été la pionnière de l'humour féminin. À propos de l'auteur Thomas Monnier, journaliste spécialisé dans la musique et la télévision formé à l'IFSI de Paris, dans les derniers articles Esla Vidadel obtient un prix aux États-Unis. Masterchef en sursis, TF1 pourrait renoncer à son programme culinaire Geneviève de Fontenay, les procès avec Anne Molle m'ont laminé.